vous raconter l'histoire, vous la connaissez sûrement déjà, l'histoire de Alice au pays des merveilles. Qui c'est qui a dit des vermeilles? Il y a toujours des gens qui disent des... Je sais pas pourquoi, cette chanson, c'est peut-être la chanson la plus connue qu'on ait. Et il y a toujours des gens qui disent des conneries. Et souvent, c'est les gens qui sont derrière moi. Alors voici l'histoire, la vraie histoire d'Alice, parce que ce que vous savez peut-être pas, c'est que quand vous étiez petit, on vous a raconté une histoire, mais c'était pas la vraie. C'était une histoire fantasy, vous savez, Disney, tout ça. Et ce soir, on vous raconte la vraie histoire. Donc voilà ce qui s'est passé. Alice, notre pauvre petite Alice, s'est perdue dans les bois sombres et ténébreux de Wonderland. Elle a été kidnappée par la méchante reine rouge. Vous savez, la reine dans Alice, la reine de cœur. C'est méchante, méchante, qu'on lui coupe la tête. Qui a transformé notre petite Alice en une prostituée. Sacré méchant. Ouais, parce que la reine rouge, on vous l'avait pas dit non plus, mais elle avait un business dans le quartier rouge. Enfin bon, c'est une autre histoire, ça c'est vraiment pas la version Disney. C'est un autre type de production, je n'entrerai pas dans les détails. Toujours est-il que lorsqu'on joue cette chanson, donc on raconte la vraie histoire, il arrive parfois, si le public fait beaucoup de bruit, un peu comme ça, voire même encore plus de bruit comme ça, alors peut-être qu'Alice sera là ce soir à Quadriphonique pour vous. Voici la véritable histoire, ça s'appelle Alice's Eerie Dream. Thank you.
Bravo.